Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. La Coupe du Monde 2022 barre son plein au Qatar après sa défaite face au Portugal sur le score de 3 buts à 2. Le Ghana a réalisé une grosse performance en s'imposant au terme d'un match à rebondissement face à la Corée du Sud. Ils ont été menés sur le score de 2 buts à 1 à l'heure de jeu avant de renverser la tendance. Après 90 minutes, ce sont finalement les Ghanéens qui prennent les 3 points et se relancent dans la course à la qualification. Les Lions indomptables du Cameroun, quant à eux, ont arraché le nul 3-3 face à la Serbie pour le deuxième match du Mondial 2022. Avec ce score, les poulains de l'entraîneur camerounais Rigobert Song gardent le suspense avant la troisième journée où ils vont affronter le Brésil le vendredi 2 décembre prochain. Le Brésil sans Neymar a fait le service minimum face à la Suisse 1-0. L'unique but a été marqué par le sociétaire de Manchester United, Carlos Casemiro, à la 83e minute. Une seconde victoire du Brésil qui lui ouvre directement les portes des huitièmes de finale dans ce mondial aussi. La deuxième victoire du Portugal sur l'Uruguay l'envoie dans les huitièmes de finale grâce au doublé de Bruno Fernandes. Retournement de situation dans le dossier André Onana, alors que plusieurs médias ont annoncé déjà son départ de la tanière. Le sélectionneur camerounais Rigobert Song, en conférence, a annoncé l'intégration du gardien de l'Inter Milan. Parlant d'André Onana, il est mis de côté pour l'indiscipline. Je préfère préserver l'intérêt du groupe que celui d'un individu. J'ai pris mes responsabilités et j'assume. J'ai demandé pour le moment qu'il reste avec le groupe et on va voir s'il va changer, a déclaré Rigobert Song après le match. Faut-il le rappeler, à 1h de la rencontre, le gardien titulaire des Lions indomptables André Onana s'est vu écarté du groupe pour raisons disciplinaires. C'est donc le deuxième gardien, Davis Epassi, qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Revenons à l'échelle nationale, l'équipe de ESAE Gbedjoumendé a affronté en finale de la zone 4 du championnat universitaire l'Université Gaza Formation le dimanche 27 novembre 2022. La rencontre s'est achevée sur la victoire de ESAE Gbedjoumendé au tir au but. Le reportage avec Anel Dou. ESAE Gbedjoumendé triomphe dans la zone 4. Les étudiants de l'école d'excellence se sont imposés en finale face à l'université Gaza Formation au tir au but. Dans le match, Gaza Formation a été la première équipe à trouver le chemin des filets à la 9e minute. Avec la persévérance et de multiples occasions, ESAE finit par égaliser à la 30e minute avec Sibel Vihinou. Oh
un but partout, les deux équipes se sont tenues jusqu'à la fin du temps réglementaire. Au tir au but, la chance a souri à EZAE qui l'emporte. L'émotion est grande pour l'entraîneur principal de EZAE. Je suis très ravi, je suis très content. C'est le travail continu qui a mené à ce que nous atteignons cette phase. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Et personnellement, je tiens à remercier le fondé, M. Adesina, et le vice-fondé, M. Quentin Didavi, pour ce soutien qu'il nous a apporté du début jusqu'à cette fin de compétition. Du côté de Gaza Formation, la déception se lit jusqu'au visage. Comme d'habitude, naturellement, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc, je ne peux que prendre ça comme ça, jusque il y a des petits trucs à recorriger au niveau de mon équipe. Les séances d'entraînement, il y aura beaucoup de séances de tir au but que je dois conseiller aux joueurs, sinon ils n'ont pas démérité. Ils ont confirmé quand même. EZAE occupe ainsi la première place dans la zone 4. Elle réussit le même exploit dans la zone du Nord avec EZAE Parakou. Pour finir, la cérémonie officielle du lancement des championnats nationaux de football féminin de D1, D2 et D3 du Bénin saison 2022-2023 est prévue pour le samedi 3 décembre 2022 au stade René Pleven de Cotonou à 14h. Comme match inaugural, le public sportif béninois aura droit à la rencontre arc-en-ciel et flèche noire de clubs qui évoluent dans la zone C en D2 féminine. La nouvelle a été portée à la connaissance de tous les responsables de clubs féminins et de tout le public sportif à travers un courrier émanant du secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.